Moi, je vous félicite parce que vous êtes toujours là. Je crois que je vous dis souvent ça. Vous avez combien de forces ont essayé de vous mettre au sol? De temps en temps, le Seigneur me permet parfois de voir tout ce que je suis en train de traverser. Parfois, tu lances des projets, ça ne marche pas. Tu lances, ça ne marche pas. L'ennemi s'est assis. Sachez que l'ennemi est votre principal adversaire. Et il entrera dans n'importe qui pour vous faire du mal. L'ennemi entrera dans n'importe qui. Donc, on n'en veut pas à la personne. On n'en veut pas à l'adversaire. Il ne fait que son travail. Je crois que beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà les histoires d'autres personnes qui sont passées avant vous. Quand on raconte ces histoires, généralement, vous dites, ah, moi, mon cas sera différent. Entre la personne qui a voulu te tuer quand tu étais petite, ta belle-sœur, que tu as, dès que tu te maries, elle devient ton ennemi. Parfois même ton mari lui-même se transforme. Ok. Donc Père Saint, nous venons ce matin te remercier pour le souffle de vie. Merci pour ta présence dans notre vie. Je m'accorde ici là avec chacun de tes enfants et nous recevons premièrement la voix pour parler, les idées pour ne pas avoir peur de croire, la patience pour arriver jusqu'à l'accomplissement et la foi qui va bouger nos montagnes. Je déclare qu'aucune arme forgée, toutes les armes qui ont été forgées contre vous se transforment en bénédiction. Toute arme forgée contre vous se transforme en bénédiction. Peu importe les attaques que vous avez eues cette nuit, au son de ma voix, comme vous m'écoutez là, j'annule ces attaques. Tout engagement que tu avais pris, tout état d'esprit dans lequel tu étais, la semaine passée, le mois passé, et c'était un état d'esprit de réception. Un état d'esprit triomphant. Je déclare que cet état d'esprit devient votre base de tous les jours. Recevez tout l'argent dont vous avez besoin pour concrétiser les projets que Dieu vous a mis dans le cœur. Toute personne qui a voulu vous charmer, toute personne sous l'emprise de laquelle vous êtes, au son de ma voix, je vous libère. Je vous libère. Je fais grandir votre audience. Je fais grandir votre popularité. Tout mariage qui est en train de tomber, qui est en train de chuter, tout
mariage qui est en train de chuter. Toute personne qui a prévu votre chute. Et le cas que vous êtes invisible, introuvable pour ces personnes. Je vous fortifie. Je mets en vous la rapidité d'action. Vous avez maintenant les habitudes des chefs d'entreprise. Vous avez les habitudes des CEO. Toute prison dans laquelle quelqu'un vous a déposé, peu importe l'endroit, prison sous-marine, prison souterraine, prison céleste, au son de ma voix, je détache les chaînes selon le 4 verset 18. Et je vous sors de ces prisons. Je vous ressuscite de tout lit de mort. Tout lieu où on vous a déposé en disant qu'elle va mourir là-bas. On t'a abandonné dans un mariage pour que tu meurs. On t'a abandonné dans une ville pour que tu meurs. Comme tu écoutes ceci, je te ressuscite. Je mets un tunnel de protection sur vous. Je vous couvre de protection. Tout projet que tu as commencé et à la dernière minute, tu as manqué l'argent. Reçois l'argent maintenant. Toute personne qui est venue voler ton idée est partie avec. Et tu as cru que ta vie était finie. Comme tu m'écoutes, j'inverse les choses. Quand quelqu'un a une idée, généralement, ça veut dire que c'est lui qui est censé récolter les fruits de l'idée. Toute personne qui a mangé ton fruit, selon Amos chapitre 9, je déclare que le temps est arrivé, le temps de vous relever. Je vous relève de toute chute dans laquelle vous avez été. La chute financière, chute spirituelle, je répare les brèches de votre vie. Je redresse les ruines
de votre vie, de votre boulot, de votre mariage. J'expose toute personne qui vous a fait du mal. Toute personne qui est derrière votre échec. Peu importe là où il se trouve. Je lui donne 7 jours pour qu'on le découvre. Et qu'il vienne avouer. Te remets le courage. Je déclare sur toi tout business que tu essayais de stabiliser en vain, tout mariage que tu essayais de stabiliser en vain. J'appelle la stabilité sur ta vie à partir d'aujourd'hui. Toute manipulation sur ta femme, sur ton mari, pour te toucher, pour te faire du mal. Je coupe à cet instant où tu m'écoutes. Je déclare que tu possèdes, je te rebâtis comme tu étais autrefois. Vous savez que Dieu a un plan parfait pour vous. C'est l'ennemi qui vient généralement, il gâte. Et quand il gâte, on se rattrape, on se dit que ah, peut-être que c'est ce qu'il doit accepter. Toute situation qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de l'ennemi, que vous avez accepté sur vous. Je viens l'inverser et je remets ce que vous étiez censé avoir initialement. Je déclare que vous possédez le reste de la terre et toutes les nations qui vous reviennent, tous les pays dans lesquels vous êtes censé partir. Je vous ouvre les portes, je vous donne les visas, je vous donne l'argent pour le billet d'avion. Je déclare que le jour est arrivé et le laboureur va suivre le moissonneur. Celui qui fout le raisin va suivre celui qui répand la semence. Vous serez toujours productif. Vous serez toujours productif. Tout projet que vous avez commencé au moment de le récolter, c'est une autre personne qui a récolté. J'appelle vers vous toutes les dividendes que vous étiez censé avoir. Toutes les dividendes que vous êtes censé avoir. Je vous ramène de toute captivité dans laquelle vous avez été. Tu es bloqué à cause d'une situation financière. Tu dois de l'argent à certaines personnes et ça te stresse. Tu as pris un crédit, tu n'arrives pas à rembourser. Tout ce qui est venu chambouler, gâter votre rythme de vie quotidien, j'enlève de votre chemin. Je vous rebâtis comme vous étiez autrefois. Tout endroit de votre vie qu'on a dévasté, je viens replanter, je viens réaménager. Toutes vos vignes, je déclare que vous allez produire du vin, vous allez boire ce vin.
et je vous plante dans les endroits, dans les pays où vous êtes censé être. Je vous plante dans les pays où vous êtes censé être. Tout endroit que Dieu vous a donné, je vous le redonne. Si quelqu'un avait pris au départ, prenez vos business. Je relance vos activités, ton activité d'or depuis. Tout ce dont tu as besoin pour faire ton marketing, reçois-le. On se rappelle de toi. Ton nom s'étend de bouche à oreille. Je viens ressusciter tes activités. J'enlève les larmes sur tes yeux. Je vous purifie. Je déclare que vous devenez sobre. Lucide. Tu me donnes tes rêves, que j'en ai rien à foutre de tes rêves. Tu ne sais pas que je ne prends pas les rêves des gens. J'ai fait le bon et puis j'ai fait les rêves. Interprétation de rêve est payante. Voilà. Pour que tes larmes sèchent, c'est une décision. Quand tu dis que tes larmes sèchent, tu attends que ça sèche seul, n'est-ce pas? Parfois, tu dois te parler, tu dois prophétiser sur ta propre vie. Tu dois te relever de tout trou, toi-même d'abord avec ta bouche. Parfois, tu dois prendre Ézéchiel 37. Ton enfant dérange un peu, ton enfant fait un peu un genre comme si... Je dis que jamais. Ézéchiel 37, verset 4. Prophétise sur ces eaux. Dis-leur. 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 Dis. Dis aux situations mortes. Oh, business. 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 Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je fais entrer en vous un esprit et je vous commande de vivre. Mariage. Mariage.
Prenez du courage aujourd'hui. Prenez du courage et levez-vous. C'est encore possible. C'est encore possible. On a terminé. Le seul programme de la semaine, on jeûne mercredi, jeûne et prière mercredi. C'est des rituels, on les mettra dans les informations du groupe. Vous passez une bonne journée alors.